Bonjour, on va parler maintenant de la préservation de la fertilité. C'est une technique qui a commencé à venir beaucoup des femmes françaises. Vous savez que c'est une technique qui nous permet de préserver la fertilité pour les futurs. C'est une technique qu'on appelle vitrification ovocytaire. Et ça veut dire congeler les ovocytes. Ça nous permet qu'une femme stimuler les ovaires, va faire une stimulation de l'ovaire, qui c'est un peu la même chose que nous faisons quand on fait fécondation in vitro. Mais les jours de la ponction, c'est pour avoir les ovocytes à l'extérieur, on va garder, on va stocker ces ovocytes pour les futurs. Et c'est une technique qui ça commence à monter beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que vous savez que la femme, un des problèmes plus importants de fertilité aujourd'hui, c'est l'âge de la femme. La vie a changé pour vous, beaucoup pour nous. Et ça fait que notre approche à la maternité, c'est beaucoup plus tard. Mais c'est une technique, c'est une magnifique option qui nous permettrait d'être tranquille, rassuré, travailler, amuser la vie. Et quand nous voulons tomber enceinte, nous avons nos propres ovocytes gardés, comme ça nous évite de passer sur un don de boule. C'est une technique qui c'est très facile pour vous. On va faire un vicieux appel pour nous connaître ensemble, pour faire l'histoire clinique, vous expliquer les parcours, les ordonnances à faire. Vous allez pouvoir tout faire en France avec vos gynécologues. On va faire toutes les stimulations de l'ovaire, toutes les piqûres, tous les contrôles en France. Et vous allez venir que le jour de la ponction ovocytaire, que c'est pas du tout douloureuse parce qu'on l'a fait sous anesthésie. Et ça veut dire qu'en un 15e des jours, vous allez pouvoir garder vos ovocytes pour les futurs et vous allez pouvoir être plus tranquille.